Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, même s'il fait lourd, très chaud pour le moment. On est même trop chaud. Mais on fait avec, on n'a pas le choix, le temps, c'est la vie. Un jour il fait bon, un jour il fait mauvais. La Belgique, c'est de la merde. Enfin, soit je suis là pour une petite vidéo, comme vous voyez bien sûr. Mais je vais vous montrer les petites choses que je vous ai parlé. Je crois que c'est la vidéo de mercredi de mes obsessions Disney. Mais j'ai récupéré les deux petites choses qui me manquaient le jour où je mettais la vidéo en ligne. Du coup, je râlais un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer. Voilà, je vais commencer par la petite chose toute mimi. C'est le plumier avec la fée Clochette. La couleur est magnifique. Regardez la petite fée Clochette là. Et puis Hello qui est contente. C'est bien parce que je trouve qu'ils ont mis deux différemment. De Clochette est dedans. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est toutes des petites clochettes couleur rose. Ils ont mis un carton. C'est bien protégé. En tout cas, c'est super. Et on a une petite plumette là. Je sais pas si vous voyez bien. Un peu faux cuir là. Voilà. Et là, l'autre chose, je me recule parce que c'est là. Elle est grande. Je pensais pas que c'était aussi grand. En fait, je pensais ça un tout petit peu plus petit. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Hein. Il est même pas encore déballé, la preuve. Voici le petit sac. Enfin, petit. Petit, il fait tout la caméra quand même. Petit, petit. Il est comme ceci. Là, c'est dur. Hop. Je vais faire ça comme ça, vous allez mieux le voir. Là, il y a la petite clochette que j'ai pas encore retirée. Là, il y a le qui est toujours emballé. Par contre, c'est par là. Hop. Et toujours tout emballé. Voici. Et les. Je vais pas encore retirer les trucs. Le truc est un peu de cette couleur. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir si ça se voit quand même. Elle est trop. J'adore. Il se ferme. Hop, j'essaye parce que c'est. Avec une petite pression. Et voilà. C'est comme le plumier dedans. Hop, vous allez voir. C'est comme le plumier à l'intérieur. Il est trop beau. Trop, trop chouette. Voilà, je l'adore, je suis amoureuse. Voilà, comme ça vous aurez vu mes deux petites choses. Et si vous voulez, le plumier c'est 7 ou 8 euros. Non, c'est 8 euros pour nous, 8 euros. Et le sac, combien je l'avais payé? 38,99. Non, non, pas 99, 90, 38,90. Voilà pour les deux petites choses. Mais c'était pas pour ça que je faisais la vidéo à la base. Mais on va continuer. Je sais que vous en avez peut-être un petit peu marre de voir plein de cartes Pokémon. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. Parce que monsieur a une belle réserve de Pokémon. Et on va parler de Pokémon. Et oui, on va parler de Pokémon. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines pop Pokémon sont sorties. Comme la Evoli que je vois juste là derrière vous. La Pikachu qui est là. Avec une oreille normale et puis l'autre de Pikachu. Il y a le Bulbizarre. Il y a le. Il y a. Oh, comment il s'appelait le... Nifleur? Non, c'est pas. Oh. Je ne sais plus. Enfin, soit. Et du coup, j'ai récupéré 4 pop de Pokémon. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Du coup, j'ai le petit Mimi Toss. Monsieur Mimitos, Mimi, Monsieur Mime, je vais aller me coucher. J'ai un coup de pompe depuis tantôt. J'ai mal la tête avec la chaleur. Voilà. Ils sont super bien faits. Ils ont tous je sais plus parler. Une plaque pour les faire tenir parce qu'au moins ils tiennent pas de regarder. Je suis Mimitos. Mimi. Monsieur Mime, pas Monsieur Mimitos. Je sais pas pourquoi. Pourtant je l'aime bien mon Mime. Monsieur Mime, il est trop trop chou. Il est bien fait.
Bon, il n'y a pas trop de détails à l'arrière. C'est pour ça que je vous montre que la devant. Voilà. Hop, je le remets. Il faudra que je retrouve des protections pour les boîtes. Voilà, après on va continuer avec en plus son nom n'est pas en français sur la boîte, c'est c'est comment lui encore? Il y a que lui qu'en plus qui a pas son nom en français sur la boîte. Je vous montre pas l'arrière des boîtes parce que toute la collection est derrière. Et j'ai toute la collection. C'est 4 nouvelles pop. Je ne sais plus son nom. Goopix. Monsieur dit derrière. Goopix. Il est trop chouette avec sa queue. Là, il est trop chou. Il ira bien quand j'aurai des places pour faire l'étagère Pokémon. Voilà. Il est trop beau. Trop chou. Je le remets directement dans sa boîte. Allez, hop. Voilà. Après, on va faire Monsieur Pichu. C'est celui que j'adore. Il est trop beau. J'aime bien les bébés Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais... les bébés sont trop choux. Oups, lui il a failli voler. Heureusement qu'il y a le lit. Voilà le bébé Pichu. Il est trop beau. Avec les oreilles tout noires à l'arrière. Il est vraiment... Je vous ai pas montré la queue de Pichu. Là on voit un peu noir. C'est une colorette. Mais il est trop chou. Voilà, le petit Pichu. Mais il est tout petit. À part à une autre pop, elle est plus petite. Voilà. Pour le bébé Pichu. Trop chou. Et le dernier, c'est... la célèbre Mewtwo. Il est trop beau aussi celui-là. Voilà, ça c'est les 4 je peux vous les montrer maintenant. C'est les 4 qu'il y a sur cette enfin dans cette collection. Elles sont trop belles. Monsieur vient me disputer parce que je les ouvre. Mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux quand on les déboxe pour vous les montrer. Voilà le... lui il est assez grand je trouve pour une pop. J'aurais bien aimé le voir en 10 pouces lui. Une pop en 10 pouces de Mewtwo. Maintenant j'attends Mew. Avec impatience je voudrais Mew moi. Je préfère Mew que Mewtwo. Je sais pas pourquoi mais lui j'ai l'impression qu'il fait peur. Il est un peu fâché. Je sais pas, sa tête est... en plus il y a des traces toutes noires. Ah, sur son sourcil, je sais pas si ça se voit la caméra. Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Là, il y a un truc noir. On fait un sweat. Mais il est trop chou. Et là, il y a de la colle. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, on voit, il y a une trace de colle. Mais à part ça, ça va quoi. De toute façon, c'est avec ça que qu'on reconnaît. C'est comme ça. Je sais plus rentrer. Je vais regarder après. Ah, ça y est. Il est rentré tout seul. Il rentre tout seul dans son plastique. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Là, ils ont tous leurs petites plaques pour les qu'ils soient bien debout. Voilà pour les 4 petites pop que j'ai récupérées. Enfin, que monsieur a récupéré parce que c'est pas les miens, là. C'est plutôt les siens. Voilà. Bah,
C'est 580, 81, 82, 80. Ah non, celui-là c'est 759. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les chiffres du Pokédex. Ouais. Ouais, j'aurais pu parce qu'il y a peut-être des pop déjà. C'est dans la gamme. C'est pop de jeu, hein. Du coup, ils ont peut-être déjà attribué les chiffres. Ben voilà pour ces 4 jolis pop. Je voulais vous faire un truc, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ça va aller. Hop là. Voilà pour ma petite réception de pop. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi lequel que vous préférez. Mais moi, je... Dans ceux-là, j'ai pas trop de préférence parce que je les aime bien tous. Bon, j'irai plus pour le petit Pichu quand même parce que j'aime bien le petit Pichu. Voilà. Et après, j'aime bien Monsieur Mime. C'est différent que les autres, quoi. Voilà. C'est tout. N'oubliez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. N'oubliez pas, un pouce bleu, ça me fait beaucoup plaisir de commenter, voir laquelle que vous préférez. Et je vous réponds avec plaisir. Et ça me fait chaud au cœur quand vous me laissez un petit commentaire. Et moi, sur ce, je vous dis au revoir pour une... Enfin, au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.